Hey, 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 cucu mes petits culs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'un petit challenge très particulier que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Voilà, si vous avez bien suivi le petit générique que vous venez de voir, que j'ai mis longtemps à faire, j'avoue, eh bien, je vais mettre en compétition plusieurs Sims pour un trône. Vous savez qu'il n'en a qu'un, un trône pour tous, tous pour un trône. Ce sera un peu des Game of Thrones, un peu du Hunger Games. Il y a 8 Sims en compétition, un seul sera le vainqueur. Qui sera donc le roi ou la reine? C'est au jeu de voir, c'est à eux-mêmes de décider de ce qu'ils feront. Et ici, nous sommes au Donjon Rouge de King's Landing, qui a été magnifiquement fait par Simproved. Alors, pour tous les lieux et les Sims que j'ai présentés dans le générique, vous pouvez regarder dans la description, tout y est inscrit. Si vous voulez retrouver un Sims ou un lieu, il suffit tout simplement bien d'aller dans la galerie et de trouver, de chercher, et vous trouverez la construction ou le Sims que vous voulez. Et à cet endroit précis ici, nous avons la salle du trône. Le trône. Bon, pour l'instant, il est aux couleurs des Baratheons, mais bientôt, il n'y aura qu'un seul Sims pour s'asseoir dessus. Reste à savoir qui ce sera. Pour ce faire, j'ai donc invité 8 Sims de la série Game of Thrones. Si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je suis très très fan de cette série. Je l'ai dans le sang, je l'aime d'amour. Regardez, il y a la belle Daenerys, hein, voilà, avec bien sûr avec tout ce qu'il faut, hein, et tout ça. Et j'ai donc invité 8 Sims de la série. C'est des Sims. Alors vous allez me dire, oui, pourquoi t'as pas mis machin, pourquoi t'as pas mis truc, pour ceux qui connaissent. En fait, j'ai décidé de choisir des Sims, pas n'importe lesquels. J'ai essayé de faire en sorte que un peu tous les côtés de la série soient représentés, un peu toutes les familles. Bon, ceux qui connaissent pas Game of Thrones, vous allez être paumés. Dites-vous juste que ce sont des personnages et que voilà, ils vont s'affronter dans une mission, dans quelque chose. Il y a Margaery Tyrell. En fait, donc, je vous explique, j'ai voulu mettre vraiment en honneur des Sims qui avaient des ambitions dans la série pour le pouvoir. Donc c'est sûr que Cersei, ben, on peut pas démontrer qu'elle avait une attirance pour le pouvoir vu qu'elle a vraiment eh bien, eu le trône, hein. Voilà, c'est que des Sims qui ont un attrait pour le pouvoir. Donc nous avons Cersei qui s'est battue contre Stannis à un moment donné, hein, que lui aussi revendiquait le trône. Le fils de Cersei, Joffrey, qui lui a été roi pendant un certain temps. Margaery qui s'est mariée avec le frère de Stannis pour devenir aussi une reine, mais après s'est mariée à Joffrey, mais bref, et à son petit frère pour devenir la reine. Donc elle est vraiment ambitieuse. Nous avons bien sûr le Night King, puisque lui, le Night King, il est vraiment au top de l'ambition concernant bien justement anéantir toute la vie humaine. Hein. Donc je pense qu'au niveau pouvoir, il est pas mal. Donc pourquoi pas prendre le trône de fer? Nous avons Petyr Baelish, hein, qui lui a en fait tiré les ficelles depuis le tout départ dans la série de Game of Thrones pour foutre la merde, tout simplement, on va pas se le cacher. Donc lui, il est vraiment ambitieux, au pouvoir assez incroyable. Daenerys, forcément l'héritière de la famille Targaryen, elle-même, bah, forcément, c'est sûr qu'elle allait se battre pour son trône qui lui revient de droit de naissance, n'est-ce pas, hein? Et après, bon, bah, Geoffrey, voilà, et Margaery, bah, voilà. Je vous ai fait la présentation finale. Ah non, j'ai pas fait Sansa. Ma chère Sansa, hein, la famille Stark, qui s'est révélée au début être une petite pucelle, vraiment une gamine qui avait des reflets à la tête, s'est terminée par une grosse biatch, une Cersei bis qui veut juste gouverner le Nord à sa guise. Et en fait, je me suis dit plutôt pas mal de la foutre finalement dans la compète. Déjà, ça, il y a le côté Stark, vu que c'est un peu la seule de la famille Stark qui avait envie de pouvoir à ce point. Donc, je l'ai mise elle. Et puis surtout, bien, voilà quoi, comme elle a fini avec le Nord sous sa gouverne, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Bon, et bien maintenant que les présentations sont faites, une mini-visite de King's Landing a été faite, nous allons passer à la première épreuve pour nos petits Sims chéris. Sinon, vous pouvez déjà mettre vos pronostics sur qui va mourir ou qui va gagner au final. Eh, c'est à vous.
Et nous avons toute notre petite famille. Attention, je mets sur pause parce que nous avons le Night King qui va brûler au soleil, vu que c'est un vampire. Nous sommes par l'occasion au grand sanctuaire de Baylor que j'ai installé. Je mettrai bien sûr la personne qui l'a construit dans la description. C'est transformé en musée. Et pour cette première épreuve, en fait, de Sims of Thrones, un Game of Sims, tout ça, tout ça. Viens vite, rentre parce que sinon c'est lui qui va mourir en premier et ce serait pas du jeu. Nous allons. Mais ah, oh, commencez pas les Sims. Voilà, ils vont être dans ce musée et je vais les laisser livrer à eux-mêmes. Et le premier, parce que alors je les ai tous remontés au top au niveau des besoins. Comme ça, ils sont vraiment bah, nickel quoi. Ils vont faire vraiment ce qu'ils veulent. Moi, je vais les observer et le premier d'entre eux qui ira dormir sera condamné à mourir. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le No Sleep Challenge, sachant que sur le terrain, il y a un et deux bancs. D'ailleurs, il y a des gens qui sont là et tout. Il y a deux bancs qui sont sur le terrain, donc s'il vient et s'amène à dormir sur un de ces trois bancs, eh bien, ils vont mourir. Donc après, on a quand même aussi deux toilettes. D'accord, j'avais zappé qu'il y avait ça, mais pourquoi pas? Ce sera le No Sleep Challenge, le premier des Sims qui dort, eh bien, est condamné. Après, voilà, ils vont faire ce qu'ils veulent. Attention, mes amis, c'est parti. Vous pouvez visiter, vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais que vous observer. Tiens, 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 nous avons un Sims un peu spécial qui vient parler à Baelish. Pourquoi pas, après tout. Après, c'est un endroit ouvert à tous, et si ça peut l'occuper. Ah, ça y est, ça se bouge enfin. Baelish commence à aller regarder. Le Night King essaye de faire une alliance avec Stannis Baratheon, tandis que Cersei observe la toile de cette dame qui a popé dans le musée. Daenerys observe avec Margaery la banderole des Baratheons aussi. Sansa, elle observe un homme très musclé. Spoiler! Une nouvelle fin! Le Night King fraternise avec Margaery Tyrell. Peut-être. Il a l'air d'être vraiment sympa, ce petit musée, hein. Oh là là, Sansa veut se rapprocher de Daenerys? Ce serait drôle si elle devenait copine. Tiens, tiens, comme un bon petit-fils à sa maman, on a Joffrey qui a rejoint sa maman. Pour l'instant, il préfère rester derrière elle pour qu'elle se prenne des coups et pas lui. C'est bien, ça lui ressemble plutôt pas mal, je dirais. Oh, et ici, le Night King, il aime bien parler à tout le monde, j'ai l'impression. Hein, et maintenant, il est peut-être qu'il essaye de recruter Cersei à sa cause, mais vu comment on n'en a eu rien à foutre dans la série, suis pas sûre qu'elle va le suivre en finale. Mais bon, moi j'accélère un peu le temps parce que c'est bien gentil, sauf que j'ai pas que ça à faire que de les regarder, en fait, rien faire. Donc comme ça, j'accélère le temps. Ah, qu'est-ce qu'il a lui? Pourquoi il est énervé? Oh, il est en colère. Il est énervé de socialisation. Ah, ça c'est pas mal. Si vous pouvez mettre un peu d'action pour pouvoir vous casser la tronche, ça pourrait être très sympathique. Parce que faut savoir que quand je les ai mis tous ensemble dans le foyer, je leur ai fait pas mal d'interactions négatives tous entre eux pour qu'ils s'apprécient vraiment pas beaucoup. Vous voyez que la barre est assez basse. Pour certains, c'est né en négatif, légèrement, mais pas trop. Mais au moins, voilà, qu'ils ne s'apprécient pas, qu'ils ne soient pas amis, quoi. Bon, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais peut-être que pour ce challenge-là, le Night King est avantagé. Vu que l'énergie de vampire, elle sera peut-être plus longue à apparaître. Mais bon, c'est pas grave, hein. Il aura d'autres. Quoique, ça va, ça descend relativement pour les autres. Mais. Ouh là là. Oh là là, il prend des risques, là. Bon, après, la nuit commence à tomber, donc il va pouvoir peut-être sortir, le pauvre petit vampire, de sa condition. Merde, 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 merde! Ça commence à vouloir se castagner, là, entre Stannis et Joffrey. Oh, on a raté! Je les ai vus de loin, hein, dommage! Moi, comme je suis plutôt sympa, je leur ai installé un petit barbecue pour pas qu'ils meurent de faim. C'est pas maintenant qu'on va jouer sur le challenge de la faim, donc s'il y en a un d'entre eux. Oh, bah, toutes les meufs vont aller pisser, je crois. Toutes les meufs vont aller pisser! Ah, bah, c'est beau, tiens! Ah là 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 là, quelle réputation les filles, hein, bravo, hein, franchement. C'est la queue leu-leu aux toilettes, hein. Il y a tout le monde qui a envie. Geoffrey qui se fait vivrer comme un malpropre.
Que Marjorie y aille. Sansa a fini d'y aller. Bon, il apparaît que les toilettes, c'est le nouvel endroit à la mode, hein. Vous pouvez pas vous castagner un petit peu? Ça pourrait être tellement drôle. Bon, je veux pas vous mentir, mais pour certains, ça commence à sentir... ça commence à sentir un petit peu la fatigue. Voilà, pas tout le monde, hein, mais il y en a, ça commence. Hein. Donc, aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. En même temps, il est 4h30 du matin. Toute la nuit, voilà, 24h Sims consécutives. Et ils ont toujours pas mangé non plus, hein, je dois le dire. Ah, non, Baelish ne va pas dormir. Zut. 6h du matin, il n'y en a aucun qui s'est endormi, qui a tapé la sieste ou qui s'est écroulé par terre. Pour l'instant, tout le monde est toujours en compète. Et là, ça discute. Ils sont résistants, ces Sims, au final. Hein. Ils savent qu'il y a un trône en jeu, alors ils font tout ce qu'ils peuvent. Ah, il lui a acheté un truc à la tronche. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour rester éveillés. Ils se battent. Alors par contre, ma petite Sansa, sache que tu as à manger. Tu as un barbecue, donc libre à toi d'aller faire à manger, hein, si tu en es capable. Mais comme ils sont tous des lords, des ladies, des rois et des princesses, ils vont pas se donner la peine de faire à manger, voyons. Ah, Geoffrey, n'irais-tu pas dormir sur le banc? C'est drôle comme il y a certains Sims comme Cersei ou Stannis. Ah si, Stannis, ça y est arrivé dans le rouge. Mais Cersei, elle résiste, hein? Elle résiste plutôt. Bon, c'est vrai que le Night King, lui, il va être hors compète pour ce premier tour. Mais bon, voilà, ça donnera un peu plus de suspense pour les autres. Après, je tiens à signaler que s'il sort et qu'il se crame tout seul, et voilà, c'est lui le mort, quoi. Hein, on va pas lui donner une seconde chance non plus. Oh oh. Geoffrey a l'intention d'aller emmerder le Night King. J'ai bien envie de voir ça. Allez, vas-y. Ah ben non! Quel dommage. Ça n'a pas marché. Voilà. Voilà, en plus il se fout de toi. C'est dommage, Juju. Attention, attention, nous avons notre vainqueuse. Et c'est Marjorie qui est tombée la première. Oui, je vous inquiétez pas. Et Daenerys juste après. Ma Dany d'amour n'est pas condamnée. Nous avons notre perdante du jour. Marjorie Tyrell va donc tirer sa révérence. La pauvre, c'était celle-ci et elle est tombée la première dans les pommes. Je l'ai vue, j'ai mis tout de suite sur pause avant d'y aller. Regardez, de toute façon, même le timer est une preuve qu'elle est dans le verre depuis plus longtemps, en panne d'énergie. Marjorie est donc le maillon faible. Je renvoie donc ses camarades rentrer à la maison. Tandis que la pauvre va aller mourir seule, condamnée. Pour les connaisseurs, Marjorie étant de la maison Tyrell, c'est-à-dire Growing Strong, les plantes et compagnie, je me suis dit la meilleure façon de la faire mourir, c'est de la faire bouffer, la faire qu'elle soit mangée par une plante vache. Voilà. Voilà, on y est enfin, le moment intéressant. Ma petite, tu vas manger le gâteau. Allez, c'est parti. Mais non, mais qu'est-ce qu'elle... Ah, oh, foutu cake de mes deux. Ah là là, là, ça y est. It is time, you know, because Marjorie will hit this for the first. Yeah! Eat well, my baby. Eat well, my cow. Et boum! Une Marjorie Tyrell, c'est pas si bon que ça, au final. C'est pas grave. Nous en avons d'autres. Mange le gâteau, Marjorie. Tu t'en fous de puer. Écoute, on va pas pleurer. Hein. Ça y est. It is time. For the second time, Marjorie. You'll be hit. And now. And now. And now she's dead. Marjorie Tyrell is dead! Et voilà, c'est déjà la mort. Première mort de ce petit Game of Sims. Je t'en prie, fais vite ton devoir, ma petite faucheuse. Voilà.
Et la partie est terminée pour Marjorie. Moi, je vous fais des très gros bisous. Je vous dis, eh bien, à la semaine prochaine pour la suite de ce petit challenge de Game of Sims. N'hésitez pas à faire vos pronostics. Des gros bisous. Ciao!